Niort 20e accueille Metz 3e. Deux objectifs opposés pour les deux équipes. Les Niortais espèrent encore un miracle de fin de saison pour se sauver. Ils n'ont pris qu'un point sur les 5 derniers matchs. Alors que Metz joue toujours la montée, les Lorrains restent sur une série de 20 matchs sans défaite et débutent bien la rencontre sur le terrain des Chamois avec cette énorme opportunité. La percée formidable de Mathieu Hudol n'est pas récompensée. Metz se déplace sans Lamine Camara, suspendu, mais a bien débuté la rencontre. Les Lorrains se font néanmoins surprendre. Le but marqué à la 42e minute par Nesta Elfej, c'est son premier en Ligue 2 BKT. Bien servi par Bilal Boutoba, Elfej permet à Niort de mener 1-0 et de créer la surprise. Mais les Chamois commettent une erreur dans la surface juste avant la pause. Un pénalty transformé par Georges Mikotadze, le 21e but de la saison pour l'attaquant géorgien. Le score est de 1 but partout. Alors que Niort avait marqué juste avant la pause, les Chamois n'ont pas réussi à tenir le 1-0 et à créer l'immense surprise. Metz est revenu et le score est bien de 1 partout à la mi-temps. Les Messins vont essayer d'insister en seconde période pour marquer le but de la victoire. Pourquoi pas sur cette action dès le retour du vestiaire. Un centre, c'est signé Kouao et un but, c'est signé Maziz. 2-1 pour Metz à la 51e minute, le 6e but de la saison pour Youssef Maziz. Le score a été renversé en peu de temps, un but à la 45e, un but à la 51e. Metz a repris la direction des opérations et continue à avoir de bonnes balles d'attaque. Ça traîne devant le but niortais, le poteau empêche le 3e but messin. Nouvelle possibilité avec cette balle enroulée, mais le cadre est manqué par Diallo. Alors que Dandley avait bien frappé, mais sur le poteau. Les Messins sont tout proches de marquer un but supplémentaire. Niort essaye de se relancer, mais commet ici une erreur fatale. Un ballon intercepté par Georges Mikotadze, il ne lui en faut pas plus pour aller s'offrir un doublé. Le meilleur buteur de Ligue 2 BKT a encore frappé. 3-1 à la 83e minute. 22e but de la saison pour l'insatiable attaquant géorgien. Metz se détache définitivement. Mikotadze est comme d'habitude réaliste, efficace. Niort essaye de revenir avec ce coup franc, mais c'est sauvé par Oukidja. Jolie frappe de Boutoba, mais ça ne fonctionne pas. Niort ne parvient pas à revenir dans ce match. Victoire de Metz, 3-1 sur le terrain de Niort.